I knew the pathway like the back of my hand. I felt the... Petite vidéo pour vous raconter ce qui m'est arrivé cette nuit. Donc j'ai été dormir assez tôt, il était 21h30, et là comme d'habitude je vois des choses bouger dans l'obscurité, enfin là il faisait encore un peu clair donc je voyais un petit peu de choses. Mais très rapidement j'ai senti à mes pieds comme deux pinces qui clipsaient mes talons. J'ai reconnu ce qui arrivait il y a 2 mois où j'ai vécu des phénomènes bizarres. Donc j'ai senti mes deux talons pincés, tac, et puis j'ai senti comme si on rentrait des fils à l'intérieur, et j'ai senti comme si on m'injectait un produit dans la jambe gauche, en tout cas, là je l'ai bien senti. Et puis j'ai senti légèrement le long du nerf quelque chose qui montait. Je ne sais pas dire plus de quoi il s'agissait. En tout cas, j'ai ressenti ces phénomènes que je sentais il y a 2 mois et qui avaient disparu subitement suite à ma demande de ne plus être dérangé. Après ça, il m'est encore arrivé des choses. J'ai été notamment touché un peu partout sur le corps, sur les bras, sur la tête. Donc quand je dis touché, c'est des sensations de pression et de déplacement. Sur la tête, l'impression que quelqu'un fait comme ça avec la main et puis que le drap se tire. Et puis la chose que j'ai jamais eue encore, c'est en me retournant sur le côté, j'ai senti comme si quelqu'un montait sur mon lit, mais quelqu'un qui fait on va dire 50 grammes. Donc la sensation que quelqu'un rentre saute sur le lit, donc une sensation de présence, un petit mouvement, mais c'était très léger, genre 50 grammes qui se rajoutent sur le lit. Et puis je sens sur mon ventre quelque chose qui vient, qui fait comme ça. Je ne sais pas si c'était un bras ou si c'était une couverture ou ou je sais pas quoi, mais un truc qui a commencé à chauffer vraiment plus fort que la température de mon corps et même plus fort que la température d'un humain. Si un humain met sa main ou son bras, on sent la température, mais là c'était plus fort que la température même d'un corps humain. Donc comme si on m'avait mis une sangle, mais qui avait cette forme-là, qui s'élargissait dans le dos et qui a chauffé très fort. Je ne sais pas à quoi ça a servi. Bon, en tout cas, c'était vraiment impressionnant parce qu'on est confronté directement à du surnaturel et ça faisait depuis pas mal de temps que j'avais plus vécu ça, des sensations aussi fortes et aussi évidentes de surnaturel, et donc c'est toujours aussi magnifique. Moi j'étais prêt à passer la nuit, une nuit blanche, tellement que ce sont des choses qui sont exceptionnelles. Sentir des choses qui vous touchent aussi solidement, aussi de manière aussi certaine, il n'y a pas de doute possible, on sent vraiment la chose qui vient, qui se met et qui commence à chauffer plus fort que... Comme si c'était... Comme si on mettait un sèche-cheveux qui était là en permanence. Donc c'est vraiment de la forte sensation de chaleur.
Et ça a duré pendant 10 minutes, donc c'était. Ça paraît tout bête, mais c'est des sensations surnaturelles et voir du surnaturel comme ça chez soi, c'est toujours aussi beau à voir, pour moi en tout cas. Après ça, j'ai encore été touché un peu partout. J'ai senti des insectes sur mes draps qui bougeaient. J'ai senti des petits trucs qui commençaient à rentrer dans mon oreille. Heureusement que je suis vraiment sûr que chez moi, il n'y a pas, quasiment pas une mouche et pas un insecte. Le sol est très propre. Donc je sais que ce n'est pas une araignée qui rentre dans mon oreille ou que ce n'est pas des insectes qui vont vraiment dans mon oreille. Enfin, ce sont des insectes ou des animaux virtuels qui rentrent et qui se déplacent sur mes draps. Donc j'ai entendu des insectes et des bêtes se déplacer sur mes draps. En tendant mon bras, je sentais une bête qui se mettait. C'est comme un petit chat qui se mettait contre mon bras. Donc ça chauffe légèrement mon bras et j'ai la sensation de pousser sur mon bras. Voilà, ça faisait depuis vraiment longtemps que c'était plus arrivé et je redécouvre vraiment la beauté de ces choses surnaturelles et vraiment. Je ne demande qu'à en voir plus et ces derniers temps, je remarque vraiment que ça augmente crescendo, qu'il y a de plus en plus de phénomènes bizarres qui arrivent la nuit. Je vois de plus en plus, j'ai l'impression que je suis parti à 2%, que je suis monté là à 5%. Donc je vois des masses se déplacer avec des lumières. Enfin, c'est exceptionnel.